Parfois, il y a des gens, c'est des vrais cons, quoi. Mais on n'arrive jamais à être certain, parce que y a moyen de les confondre avec des faux cons. Et tout ça, ça sème vraiment la confusion. Ah, salut les amis. Oui, 19h, on se retrouve pour un nouveau stream. Pourquoi je parle de faux cons? Bah, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va streamer. On va se faire un petit shmup des familles de 1989, qui s'appelle Twin Hawk. Et je vais un petit poil spoiler d'avance, puisque je vais vous en faire voir une belle partie. Parce que ce jeu, c'est ce que j'appelle le jeu des rendez-vous ratés. C'est-à-dire que vous avez noir de bonnes intentions à droite et à gauche. Mais finalement, il y a quelques problèmes qui vont être relativement fatals au titre. Et c'est super dommage en général. Je déteste chroniquer ce genre de jeu-là. Parce que on en est quelque part obligé de dire la réalité et de boiter le jeu, puisqu'il le mérite totalement. Mais vous allez le voir, le truc est quand même gavé réellement de bonnes intentions. On va pas tourner autour du pot davantage et on fonce dans Twin Hawk et je n'aurai même pas un fail de démarrage. Non? No way. Regarde. Là, c'est volontaire, j'ai pas affiché le jeu. Mais là, si je clique sur ce bouton par exemple, eh ben j'ai l'affichage direct. Tu vois? Et ça, c'est ce qui marche une fois sur 10 en général ici d'ailleurs. Alors, Twin Hawk, fais-nous voir ta démo. Regardez-moi ça, ces graphismes pleins de pixel love. Alors, c'est certain, c'est peut-être pas très très innovant au niveau shooter vertical, puisqu'on est en plein Raiden 1942 et compagnie. Ceci dit, bah déjà, les bitmaps derrière, on peut pas dire qu'ils ont été piqués chez le voisin, quoi. Les gars se sont enlevés les doigts assez puissamment et c'est super intéressant. Après, on va voir la jouabilité. Alors ça va être plus délicat, je pense. Donc, on a nos bombasses habituelles, je présume. Est-ce qu'on a des trucs à flinguer au sol? Pff, non, on n'a pas de bombasses, on a une formation d'équipiers. Qui sont capables d'aller se suicider en plus. Ok, d'accord. Bon, on va faire avec ça. Alors, petit check du son. J'espère que vous l'avez bien. Je vais vous le monter dans le doute. Hein. Ce sera pas un défaut. Spouic. Et on y go. Salut les équipiers, mais restez là, les équipiers, qu'est-ce que vous faites? Donc en bas, j'ai deux avions en stock et j'ai deux invitations pour mes équipiers au cas où je me sens en mode panique. Est-ce que je spoil? Oui, j'ai joué, j'ai enregistré en fait ce stream déjà. Puis en fait, c'était fait à l'arrache. Je voulais garder l'enregistrement, fait à l'arrache. Et puis finalement, il n'est pas si terrible que ça, donc je me permets de le refaire. Et en fait, il y a un truc déjà qui va être assez dramatique quand je vais vouloir utiliser l'appel à mes équipiers, l'appel à mon ami. Vous allez voir le temps que ça va mettre à se déployer. Et là, on va toucher directement une des graves erreurs dans le gameplay du jeu, qui va complètement le pourrir. Ça se passe bien là, c'est choupi, c'est ambiance BD, c'est bien foutu. Du pixel love, je vous dis, du gros pixel love, comme on aime bien. Ceci dit, oh les chars qui tirent sur le côté derrière et tout là, on va se calmer. 1, 2, 3, 4. 4 à 5 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à mes équipiers pour arriver à la rescousse. Donc je les déclenche maintenant, voilà. En fait, il faut les déclencher d'avance. Que vous les gardez tant qu'ils ne sont pas fait buter, il y a moyen de les envoyer, voilà, avec le deuxième, avec le bouton qui les déclenche justement, de les envoyer se propulser sur l'ennemi un peu coriace. Mais du coup, niveau gameplay, ça nous arrange vraiment pas, quoi. Aïe 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 aïe, quand tu laisses passer un char, t'es dans la merde, hein. Je vais rappeler mes équipiers, c'est pas possible.
Donc du coup, j'ai l'impression que les trois quarts du jeu se font avec les équipiers déployés. Merde, le temps qu'ils... le temps qu'ils se soient déployés, je me suis pris une prune. Une prune. Et donc c'est vachement pénible niveau gameplay. Parce que du coup, une bombe dans un shmup, quand vous jouez n'importe quel autre titre, c'est de vous dégager, l'idée c'est de vous dégager instantanément d'une situation inextricable dont vous n'allez pas vous sortir. Donc ça veut dire que votre super bonus bombe de la mort qui va vous faire ça, il faut qu'il soit actif sous 0,02 secondes. Il n'y a pas d'autre mot. Or là les gars c'est 1, 2, 3, il faut que j'y vite moi pendant ce temps. 4, 5, 6, 7, donc il me reste des équipiers là, mais ils font un peu de la merde déjà, et d'une. Bon, quand ils prennent une bastos, ils crèvent, c'est normal. Mais du coup, je ne les guide pas, je peux pas les aider à dire « Tiens les gars, il y a une boulette là, c'est pour vous, bougez !» Non. Ils me suivent un petit peu, mais voilà, c'est soft. Du coup, là, niveau le gameplay, le jeu morfle. On est passé d'un truc qui était super classe, un jeu qui devient un peu bizarre, on va dire, pour rester dans des limites correctes. Et du coup, c'est étrange parce que le jeu, il a quand même ses petites matrices à lui, c'est rigolo. Il essaye de faire son job, quoi. Bon, pas. Mais c'est juste terrible, quoi. Là, comment je passe, moi? Heureusement que c'était fait à l'arrache, là. Non, mais les zincs, vous barrez pas. J'avais pas fini, là. J'ai le gros babu en maquip. Moi, je les rappelle. Moi, je pense que tout le jeu, on le fait avec les équipiers. Hein, c'est pas possible autrement. Sinon, niveau difficulté, c'est beaucoup trop corsé pour le kilo moyen, quoi. Moi ça tire dans tous les sens, ça se croise dans tous les sens, ça vient de derrière. C'est un massacre. Yes, on continue. Donc voilà mon dilemme du jour. J'ai un titre qui est tout à fait présentable, qui est programmé correctement, qui a des graphismes qui ont été bossés aux petits oignons, mais qui en fait... Putain, la boulette sur le côté les gars, non. Et papa. Not from behind, never. Forget it. Oulala. Oulala. Se débarrasser de ça, ça fait un problème. Oh putain, Kong. Oh la difficulté du truc. Donc voilà, c'est ça qui plombe. Ce titre magnifique qui est Thundered Hawk. Mais à la jouabilité, pas peu probable, mais incertaine on va dire. Par petits moments, ça va à peu près bien se passer, mais la plupart du temps, vous allez ramer, quoi. Le moment où ça se passe bien, miracle. Et bientôt, le moment où ça se passera plus bien. Et c'est dans 3, 2, 1. On fait durer. Je remets la balle au centre. J'appelle des potes. Faut appeler les potes d'avance, ils mettent 5 secondes à se déployer. Donc c'est l'antithèse de la bombe qui vous wipe toutes les cochonneries à l'écran pour vous sauver de l'impasse. Et je ne démords pas de ça quoi, c'est une connerie de gameplay hallucinante. La République fédérale allemande vient de me dégommer. Et ça c'est moche. Non. Donc vous comprenez ma douleur. Ce shmup ne finira même pas dans les sélectionnés. Alors qu'il le méritait, quoi. Mais cette faute de gameplay est totalement impardonnable. Je renvoie un peu plus loin parce que ça me fait mal au cœur et je pense pas que je reviendrai dessus. Bien qu'il ait... Oh, je ne dis plus rien, j'en ai marre. Moi, ça me dégoûte quand j'ai des jeux comme ça, quoi. Je suis malheureux. J'ai la larmiche à l'œil. Je me dis... Toutes ces heures de boulot foutues en l'air pour un simple détail où tu passes d'un soft pour être, être plaisant, magnifique, agréable à jouer à un truc qui est juste un calvaire quoi.
Donc si vous avez des mômes et que vous voulez les dégoûter à vie du shmup, balancez-leur ça dans les pattes comme je dirais trop. Allez voir la gueule qu'ils vont tirer. Ils vont vous haïr, je pense. Parce que c'est assez tendu quand même. Mais regarde-moi ce pixel 9, bordel. Oh là là, c'est gâchis. Oui, bah maintenant je les déploie d'avance, les collègues, hein, parce que c'est vraiment trop le bordel. Aïe aïe aïe, les trucs qui arrivent. Ah, bien sûr, côté, c'est pas super sympa. Oui, 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 oui. Les boulettes sont pas énormes en plus, alors. C'est pas un avantage, hein. Comment ça, de la mauvaise volonté? Non, pas du tout. On va aller jusqu'au boss, je suis curieux quand même. Ah, ce sale boss en deux morceaux, je l'ai fait hier. Je me rappelle bien de lui, vous allez voir comme il est pénible. Alors déjà, faut y arriver. Ce qui est pas gagné. Non, 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 on est là. Lui, pour une fois, il est dans le bon axe, ça change. Ça fait plaisir, il a bien fait de se flinguer sur... Le truc parfaitement gênant qui allait vraiment faire son boulot de gêner, quoi. Allez, on voit le pote. Alors, ça a l'air con, là. Vous allez voir. Je vais déployer les coéquipiers parce que ça va pas le faire. Oui, ils sont deux à t'emmerder avec deux tirs croisés. Mais c'est suffisant, vu la vitesse, voilà, pour que tu te paumes devant. C'est triste, hein. Si tu as envie de souffrir, tu expérimenteras toi-même Thunderhawk. Et c'est à contre-cœur que je vais gravir les marches de l'escalier, aller au grenier, et mettre ça dans la malle de l'oubli. Ce Twin Hawk, que j'appelle Thunderhawk depuis le début, mais qui s'appelle Twin Hawk donc. Et qui est donc... Un shmup très bien réalisé, mais dont la jouabilité le réserve à certains, pas experts, mais gens qui maîtrisent le shmup de manière un petit peu avancée, voilà, on va dire. Assez corsé, le pépère. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Je vous laisse avec des mouchoirs aussi, parce que moi, je vais pleurer, quoi. Je suis dégoûté dans ce jeu qui devait être super. J'aurais trop aimé dire qu'il est super. Donc, les deux streams... Et puis je vous laisse l'idée de vous abonner, ça pourrait être pas mal. Ça vous évitera de courir et de vous rappeler tous les jours. Zut, c'est 19h, faut que j'y aille. À demain, à cette heure-là d'ailleurs.